Eddie Barclay a privé sa huitième femme d'argent et est décédé dans la pauvreté. Eddie Barclay a été de son vivant une icône du showbiz, comme on en voit rarement. Illustre producteur de musique, il fascinait également pour son goût prononcé pour l'ambiance et la fête, mais aussi pour sa vie amoureuse trépidante. Durant près de 50 ans, celui qui était surnommé l'empereur du micro-sillon a régné avec élégance et paillettes sur la France. Le fondateur du label Barclay a eu au total 8 femmes dans sa vie. Malgré la fortune qu'il a amassée de son vivant, il est décédé en 2005 d'une crise cardiaque. Il s'en est allé à l'âge de 84 ans dans la pauvreté. Comment expliquer cela? Qui est sa dernière épouse et pourquoi l'a-t-il laissée sans le moindre sou? On vous donne les réponses. C'est bien connu, l'argent et le succès attirent les femmes, et Eddie ne s'en privait absolument pas. C'était un grand amoureux, raison pour laquelle il s'est marié à 8 reprises. Voici celles qui ont partagé sa vie, par ordre chronologique. Caroline Barclay était l'invitée de Jordan Deluxe en mars 2020. Elle a fait des révélations étonnantes sur la fin de vie d'Eddie. Elle s'est montrée cash en disant qu'il n'était pas milliardaire, même s'il vivait comme un milliardaire. Elle a aussi expliqué qu'il avait beaucoup d'argent, mais le dépensait à travers le luxueux mode de vie qu'il s'était imposé. Malheureusement, il n'avait plus rien au moment de sa mort, comme l'a révélé Caroline. Le pauvre a terminé sa vie sans le sou. De ses propres aveux, Caroline reconnaît qu'elle n'a jamais manqué de rien quand elle était avec Eddie. Mais la situation s'est inversée après leur divorce. Elle a donné quelques détails sur leur vie, notamment sur le fait qu'il ne lui a jamais permis d'avoir un compte bancaire. Après leur divorce, il ne lui a pas donné le moindre sou et cela a été très compliqué pour elle de se remettre, financièrement parlant. Mais elle y est arrivée tant bien que mal. En 2014, elle avait déjà relevé la pente et ses finances se portaient bien quand elle a été victime d'un cambriolage le 22 mars cette année-là. Plusieurs individus se sont introduits dans son appartement parisien du 17e arrondissement. Ils avaient visé son coffre-fort contenant des montres, des bijoux et de l'argent liquide. Le butin total a été estimé à 150 000 euros. Une grosse perte pour Caroline et l'enquête a été confiée au 1er district de police judiciaire. À l'occasion de l'anniversaire de la mort d'Eddie, Gala lui a consacré plusieurs pages. On y découvre des révélations sur Caroline Barclay. Elle a notamment donné la raison de leur divorce. On apprend alors qu'elle a été forcée de divorcer. Elle explique qu'après 8 ans de mariage, elle commençait à mener ses propres activités de détente, comme le journalisme ou la course automobile. Hélas, c'est un fait qu'Eddie a très mal pris. Un jour, Eddie m'a dit qu'il voulait que sa femme soit 7 jours sur 7 avec lui. Que c'était comme ça, ou bien il demandait le divorce, a-t-elle révélé. Réalisant qu'elle était dans une prison dorée, elle n'a pas pu supporter, et c'est ainsi qu'ils ont donc finalement divorcé. Eddie a eu 2 enfants, mais aucun avec Caroline, et ce n'est pas par manque de volonté. D'après celle-ci, il le lui aurait demandé à plusieurs reprises, mais elle a toujours refusé, non seulement à cause de leur différence d'âge, mais aussi parce qu'il avait un rythme de vie qu'elle n'estimait pas être propice pour éduquer un enfant. Toutefois, elle a tissé d'excellents liens avec Guillaume, l'un des fils de son ex-mari. C'était d'autant plus facile qu'ils ont sensiblement le même âge. Eddie Barclay était l'ami de nombreuses célébrités. Ils étaient tellement proches qu'il a entretenu des relations très poussées avec certaines d'entre elles, à l'instar de Johnny Hallyday. D'ailleurs, il y a quelques années, un cliché avait fait beaucoup parler dans les médias. On y voyait le géant du disque faire un baiser sur la bouche au taulier. Loin d'être une relation amoureuse ou un flirt, c'était la marque d'une solide amitié qui a commencé assez étrangement. Eddie avait catégoriquement refusé de produire Johnny car estimé qu'il n'avait pas le talent nécessaire pour être une star. Le temps lui a donné tort et les deux hommes sont devenus de grands amis. C'est le moment d'avoir votre avis. Que pensez-vous de la vie douloureuse d'Eddie Barclay? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans la section des commentaires et parlons-en. Si vous trouvez la vidéo bonne, merci de ne pas regretter un like et de la partager. Au revoir et à bientôt dans de prochaines vidéos. Merci.